Quand tes parents veulent pas que tu montes sur un scooter, t'es obligé de marcher à pied à côté. Les gars, il pleut là, fou. Enfin, il neige plutôt. Coucou les gars, donc je suis désolée, hier j'ai pas fait de vlog. En fait la raison principale c'est que je me suis réveillée en retard, donc déjà le matin j'ai pas pu filmer. Et ensuite après le soir j'avais des trucs et il y a mon pote Rémi qui est venu dormir chez moi. Et donc on n'avait pas fait une vidéo, surtout que tout le monde passait sa vie à lui parler de l'ancienne vidéo qu'on avait faite quand on était en 3ème. Donc voilà, il voulait pas trop refaire de vidéo avec moi, ce que je comprends. Aujourd'hui j'ai un peu le kit de la meuf malade, il a neigé mais vraiment il pleut. Et donc voilà, je suis vraiment désolée juste pour hier, mais je pense que vous comprendrez, c'est pas très grave. Donc je me suis dit aujourd'hui, pour nous mettre un peu dans l'ambiance de Noël, que j'allais vous faire ma playlist de Noël. Je suis vraiment désolée, j'ai pas trop un décor type Noël ou quoi, parce que j'ai pas encore mon sapin. Donc c'est parti, il y a vraiment de tout dans cette playlist de Noël. J'ai pas fait ultra original, mais bon, je vais pas faire semblant d'aimer des musiques que j'aime pas. Alors je sais c'est ultra gênant les playlists, enfin en fait moi je trouve ça pas gênant d'en regarder, mais je trouve ça gênant d'en faire une. Mais bon là je me suis dit c'est dans l'ambiance de Noël, c'est pas grave. Ah oui d'ailleurs j'ai enfilé mon pull de Noël et mon pyjama de Noël, même si je vais à la salle pour Noël. Ce n'est pas grave. Pour les liens de musique ou quoi, j'ai fait une playlist en fait Noël avec les musiques de la vidéo et donc... vous aurez plus qu'à aller voir. La première musique, et elle est trop bizarre, mais c'est la musique de Franklin. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petite, je regardais tout le temps Franklin, le Noël magique de Franklin. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu. En tout cas, j'aime trop écouter cette musique. Let's go. À la deuxième. On va passer à la deuxième. Avant je détestais Justin Bieber, mais ça va, genre je me suis réconciliée avec lui l'année dernière quand j'ai commencé à écouter cette musique. Comme ça, je vous avoue que ma tisane, ça me sert un peu d'excuse parce que comme je suis ultra gênée de faire une playlist, genre je me mets à boire et tout, donc ensuite, et oui vraiment c'est vraiment pas original, hein, Ariana Grande. Et c'est vraiment des chanteurs que j'écoute jamais d'habitude, mais je trouve que leurs chants de Noël ils sont vraiment pas mal, donc j'aime bien écouter des remixes de musique classique, même si j'aime bien montrer les musiques classiques, voilà. Enfin écouter des musiques classiques, donc là c'est un remix de Jingle Bell. On
ensuite, je suis vraiment désolée de mettre cette musique, mais bon, je crois que je suis obligée, voilà, donc... Allez, je suis désolée, je chante un petit peu en même temps, mais prochaine d'Ariana Grande. Cette musique, elle me rappelle trop des souvenirs et tout parce que je l'écoutais il y a quelques années et tout et je m'identifiais carrément. So I love it. Donc voilà, ce sera tout pour ma playlist. J'espère que je n'ai pas été trop gênante et si j'ai été gênante, bah tant pis, c'est pas grave. On est tous gênants un peu sur YouTube, je crois, et même dans la vraie vie. Donc voilà, j'espère que vous êtes ambiancés et écoutez, on continue la journée. Les gars, donc je vais partir à la salle de sport avec Rémi. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai toujours une mèche plus longue sur ma frange. Je sais pas comment ça se fait. Enfin, chaque fois je la coupe plus court et elle repousse. Je vais juste vous montrer comment je suis habillée vite fait parce que c'est pas un truc de ouf, mais voilà. Bon, déjà en haut, je me suis fait un chignon. Je sais pas si ça va tenir, j'ai jamais essayé. Mais je trouve que ça fait genre ultra strict avec ma frange et j'aime bien ce look là. Même si voilà, je préfère les cheveux détachés, mais bon, pour faire du sport, voilà, voilà. Ensuite en haut, j'ai un petit haut en fait, c'est. Manche mi-courte parce que j'ai un peu froid et il est à moitié transparent donc on voit ma brassière de sport. Voilà, c'est une brassière de sport, vous affolez pas. Et ensuite, oui, c'est bordel derrière, j'ai un jogging. Alors il est horrible, enfin, genre c'est un vieux jogging trop moche que j'avais de base des scouts. Donc voilà, je crois il a même des taches. Attendez. Ouais, il doit avoir des taches. Enfin bref, c'est pas du tout un jogging classe ou quoi, mais bon, j'en ai pas d'autres et j'ai un peu la flemme de mettre un leggings. Donc voilà comment il est derrière, mais voilà, il est pas ouf et en bas, j'ai mes Nike, mais là, je les porte pas tout de suite. Coucou les gars, donc il est assez tard, alors je vais aller me coucher. Attendez, je crois que j'ai un peu de chocolat. Enfin non, je vais pas aller me coucher, en fait, je vais faire un montage de vlog. Ça me fait bizarre de pas avoir posté de vlog donc hier pour vous mais aujourd'hui pour moi, enfin je sais pas si je veux. Et je voulais vous remercier parce que on est 700 sur ma chaîne, alors je sais que beaucoup c'est pas beaucoup et tout, mais pour moi c'est quand même cool et ce serait trop sympa qu'on puisse arriver aux 1000 avant le 31 décembre parce que ça fera officiellement je crois 6 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube, même si vous voyez j'ai pas été dessus pendant ultra longtemps, mais dans le sens où ma toute première vidéo je l'ai postée un 31 décembre je crois 2012, non je sais plus. Je vous redirai ça mais c'est trop cool. Et que l'année dernière, le 31 décembre, pareil, il y a une youtubeuse assez connue qui s'appelait Luna, mais je sais plus si elle fait encore des vidéos, qui m'avait partagé dans son Share the Love et genre j'avais gagné 150 abonnés en une journée. Et bon, c'est pas ouf non plus, mais genre c'était trop bien quoi. Enfin moi j'étais choquée. Et donc j'avais passé la barre des 300 abonnés je crois. Et donc ce serait trop cool qu'on puisse passer la barre des 1000 ce jour là, même si je pense pas que ce soit possible. Au pire des 900 ou des 800. En vrai ce serait sympa, donc vraiment n'hésitez pas à partager, à en parler à vos potes, enfin je vous demande pas souvent ça et tout, mais ça peut être cool. Et puis enfin, que vos potes ils s'abonnent s'ils aiment bien, vous voyez qu'ils s'abonnent pas juste parce que vous les avez forcés. Donc voilà, je vous fais.